aussi à trancher la question des dommages et intérêts. On le sait, parmi les zones les plus durement touchées par le réchauffement climatique, il y a la Corne de l'Afrique, où la sécheresse fait tous les jours plus de victimes. Et dans cette région du monde, ce sont surtout les petits agriculteurs qui paient le prix fort. Ce soir, nous nous rendons dans le nord-ouest du Kenya, où la famine menace. Et avec la guerre en Ukraine, les prix des denrées se sont envolés. Aujourd'hui, même les barres de céréales, essentielles pour lutter contre la malnutrition, n'arrivent plus en quantité suffisante. Reportage, Johan Morel. Dans la région de Turkana, dans le nord-ouest du Kenya, plus d'un demi-million d'habitants dépendent de l'aide alimentaire d'urgence pour survivre. La faim pousse ces familles à parcourir des kilomètres en pleine chaleur pour quelques kilos de céréales, de haricots et quelques litres d'huile. Et souvent en vain. Ici, nous devons nourrir 255 familles, mais nous pouvons à peine couvrir 65% des besoins. Toutes les familles que l'on ne peut pas nourrir doivent se débrouiller pour trouver d'autres sources de nourriture. Comme ses voisins, l'Éthiopie et la Somalie, le Kenya n'avait pas connu de telles températures depuis 40 ans. Dans la Corne de l'Afrique, elle dépasse régulièrement les 40 degrés. Monty John est éleveur de chèvres. Sous sa responsabilité, une vingtaine de bouches à nourrir. Depuis 4 ans, il attend désespérément la pluie. Elle ne tombe pas. Ces 4 années ont décimé son troupeau. Voilà les seuls animaux qu'il me reste. J'avais près de 300 chèvres avant. Elles sont toutes mortes. On n'avait jamais dû affronter une telle situation. On essaie de survivre avec presque rien. Beaucoup de familles ont dû quitter le village et la région pour se rapprocher de grandes villes. Outre le dérèglement climatique, les populations subissent aussi directement les conséquences de la guerre en Ukraine. Dans le dispensaire de Kapokor, le cabinet du docteur Nabouine ne désemplit pas. La taille du bras de ce petit garçon est dans la partie rouge. Ça veut dire qu'il est sévèrement dénutri. Difficulté d'approvisionnement et flambée des cours des produits agricoles ont fait exploser le prix d'un aliment essentiel à la survie de centaines de milliers d'enfants, le plum peanut. Ces barres nutritives à base d'arachides, de sucre et d'huile végétale sont utilisées pour traiter les cas de malnutrition sévère. La situation actuelle est que nous avons une augmentation des cas d'admission pour malnutrition. La seule solution pour que tous ces gens puissent s'en sortir, c'est de venir ici nous trouver et obtenir ces suppléments alimentaires. Dans cette région, un enfant sur trois devrait bénéficier d'un régime au plum peanut pour améliorer ses chances de survie. Mais depuis le début du conflit en Ukraine, le prix de ces barres nutritionnelles a augmenté de 25% et les quantités manquent cruellement. Les donneurs ne peuvent pas donner autant qu'avant pour le Kenya. L'approvisionnement en plum peanut est bien inférieur aux besoins réels. Les donateurs concentrent maintenant leur aide financière pour l'Ukraine. Au Kenya et dans toute l'Afrique de l'Est, les alarmes se succèdent. Si l'aide alimentaire n'arrive pas massivement, 1,7 million d'enfants sont menacés de mort.